Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va et vous? Je vais bien. Bonsoir, beau. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien, toi. Est-ce que vous pouvez me passer au milieu? Ok. Ouais. Ok, je t'appelle comment? Je m'appelle Scott. Scott? Ouais. Ok. Et toi? Cynthia. Cynthia. Scott, ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Ça fait pratiquement. Il manque quoi? Deux mois. Deux mois seulement. Mm-hmm. Avant les deux mois, tu étais avec qui? Tu n'étais pas en couple? Non, il n'était pas en couple. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas et je ne faisais pas trop confiance aux hommes. Ah, et qu'est-ce qu'il a fait comment pour te convaincre d'être en couple? Bon, parce qu'il m'a prouvé qu'il était sincère et il me suis dit que c'est un bon garçon. Et c'est un béjo aussi, il faut préciser que c'est un béjo. Donc c'est vrai que c'est un béjo, mais voilà. Il peut quand même être sérieux, on ne sait jamais. Si ton gars te trompe, tu pardonnes ou quoi? Bon, c'est un homme, c'est naturel, c'est normal qu'il puisse tromper, tu vois. Toi, tu pardonnes quand même. Oui, je peux pardonner, ça dépend si on est amis long ensemble et on se connaît suffisamment, il peut pardonner certaines erreurs. Tu peux pardonner. Bien tu es une bonne femme. Tu peux être une très bonne femme. Ok, est-ce que tu es fidèle à lui? Bien sûr. Tu es fidèle? Bien sûr. Marie pour toi? Je suis fidèle. Ok, on va faire un test de fidélité, on va faire un mot téléphone. Est-ce que toi tu es d'accord? Il n'y a pas de problème. Toi, tu n'as pas de souci? Non, je n'ai pas. Tu es d'accord? Je suis d'accord. Est-ce que tu peux avoir les deux téléphones? Ok. Comment tu l'as enregistré? Ouais, comment tu l'as enregistré dans ton téléphone? Mon cœur. Ton cœur? Oui. Donc il n'y a que elle que tu appelles ton cœur dans le téléphone. Oui, il n'y a que elle. Okay. Vous causez beaucoup plus sur WhatsApp ou bien? Sur WhatsApp. Beaucoup plus? Sur WhatsApp. Ok. Okay. Avec le cœur. Tu as mis le cœur dedans. Oui, j'ai mis le cœur. Okay. C'est qui Cynthia? C'est une amie. Une amie. Oui. Comment? Hey, une amie comment? Ta meilleure amie? Mais... Non, pas meilleure amie. Juste une pote. Mais. Une pote comment? Est-ce qu'elle connaît tes potes? Oui, quand même. Tu connais Cynthia? Sa pote? Bon, il m'a dit que c'est une amie, c'est que c'est une amie. Tu la connais? Non, je ne connais pas. Eh? Non, je ne connais pas. Mais tu as quand même parlé d'elle? Oui, bien sûr. Ok. Leslie, alors, c'est qui? Leslie. Mm-hmm. Ils sont des potes, non? Il te dit bonjour, bonjour, mon chéri. Bref, elle a l'habitude de m'appeler comme ça, tu vois, c'est juste une petite appelation. Bref, il a parlé de ça qu'elle m'appelle plus comme ça. Tu vois un peu. Toi, ça te dérange parce qu'une autre fille appelle ton grand chéri? Bah, ça va me déranger. C'est vrai que c'est une appellation, mais ça va me déranger. Peut-être parce que dans sa tête, ça sera que non, c'est son chéri et tout. Mm-hmm. Mais ça peut aussi être chez lui, c'est pas le cas. Donc, pour voir là que c'est juste une appellation. C'est pas le cas. Ok. Apparemment, tu causes avec beaucoup de filles. Pourquoi? Pourquoi tu as beaucoup de, tu as le niveau avec beaucoup de filles comme ça? En tout cas, c'est normal, tu n'es pas pédé. Oui, c'est naturellement. Et Maëva? Maëva. Oui. Bref, c'est pareil, non, c'est une pote. Et Maëva, tu as réussi son nom avec le cœur aussi, la bague. Bon, j'ai un peu qu'on est un peu proche. Ouais. Ouais, oui. Un peu proche. On se connaît depuis, ça date toujours un peu. Hein. Ouais. Depuis le secondaire. Depuis le secondaire. Oui, on se connaît. Comment tu es pote avec Yungo jusqu'à tu as réussi son nom, tu mets le cœur et la bague? Je sais que je vous ai dit, je suis pote. Je peux lire dans vos conversations. Tu peux lire. Okay. Ah. Pourquoi tu envoies bonjour mon cœur? Pourquoi tu envoies bonjour mon cœur? Il te dit bonjour bé, j'espère que tu as bien dormi. Tu dis oui chérie et toi. Il dit pas trop ça. Tu dis que s'il va pas, il dit que hier j'ai eu beaucoup de migraines. Pourquoi tu appelles mon cœur? En tout cas, on a déjà eu cette affection, tu vois, ensemble, ouais. Oui. Genre, on se comprend. Les gens, pas comme si c'est ma bestie, mais je suis beaucoup plus proche d'elle, tu vois. L'histoire des besties, là, on connaissait. Bon. Oui. Non, c'est pas ma bestie. C'est juste qu'on est beaucoup plus proche, non. Donc, genre, on se connaît depuis, tu vois, l'amitié date. Oui, c'est tout ça. Tu connais, il y a aussi parlé de Maïva, là. Non, il m'a pas encore parlé d'elle. Hein? Il m'a pas encore parlé d'elle. Toi, ça te dérange pas qu'il s'appelle les bébés, les manqués, tout ça? Je peux pas dire là. Je peux être sincère que ça me dérange pas, mais. Okay. Toi, tu pensais que tu es la seule, non? Bien sûr. Samedi, tu étais où? Samedi. Ouais, samedi soir. Samedi, je suis sorti. Tu es sorti. Tu savais qu'il est sorti samedi soir? Non, il m'a pas informé. Pourquoi? Il ne savait pas que tu es sorti samedi soir. Pourquoi? Genre, c'est pas quand même tout qu'on doit dire. Tu es sorti avec qui? Avec des potes. Et Maëva. Et Maëva. Parce que voici les photos où vous étiez en boîte et tout. Oui, on s'est sorti. Mais il y avait quand même des presse. C'est comme si c'était pas comme si c'était un date. Non, parce que là, il y a tes photos beaucoup plus avec elle en mode et tout. Mm-hmm. Vous vivez bien, bien. Pourquoi tu es sorti avec Maëva? Plutôt pas avec ta go.
C'est-à-dire qu'un que vous dites, c'est plus que ça. C'est pas juste une pote. Non, c'est juste une pote. Et pourquoi tu sors avec une pote en boîte autant ta gueule là? Moi, j'en ai l'habitude de sortir. C'est juste que. Bref, il y avait promis à Maëva une sortie. Quand tu sortais, tu as demandé, tu as dit à ta gueule que tu voulais sortir. Non, je ne l'ai pas dit. Toi, tu sors pas seulement la nuit? Non, je ne sors pas dans la nuit. Tu ne pars pas en boîte? Si, mais rarement. Tu t'as invité, vous êtes sortis ensemble? Qu'est-ce qu'il peut dire? Oui, une seule fois seulement. Une seule fois? Mm-hmm. Ok. Toi, tu es une bonne fille, tu es toi timide, tu es là posé, il fait sa vie avec les autres go. Ok. Ouais. Après la soirée, tu es go. Après la soirée. Ah oui, après la soirée, où est-ce que tu allais? Je suis rentré à la maison. Hein? Je suis rentré à la maison. Avec quel nom? Parce que dimanche à 4, elle t'envoie le message, je suis bien arrivé et merci pour la soirée, j'ai beaucoup aimé. Elle parle aimé quoi? Genre parce qu'on a fini, j'ai fait en compagnie chez elle. Tu l'avais pas dit? On a fini la soirée tard, non? Genre avant les 3 heures, tu vois. Oui, mais tu dis que tu es rentré avec elle à la maison. Elle savait que tu as passé la nuit avec une autre fille. Apparemment, tu as passé la nuit avec une autre fille et tu m'as pas dit ce qui est marrant. Il n'est pas passé à une autre fille. Comment tu peux dire ça? Mais c'est le cas. C'est comme si elle doutait de moi. Parce que les messages nous montrent que tu as passé. Oui. Tu as passé la nuit avec une autre fille sans que moi je ne sache. Vous êtes sortis ensemble. Vous êtes sortis ensemble. Et apparemment, elle est rentrée le matin. Oui, parce qu'à quelqu'un, elle t'envoie le message qu'elle est bien. Elle t'envoie le message que non. Elle te dit avoir aimé et pas d'aimer quoi. Donc, apparemment, tu as essayé de me tromper et tu ne m'as pas dit. Tu as pas essayé de me faire savoir que tu es rentrée avec une autre fille. C'est pas ça. Tu as dit que c'était ta bestie, non? Tu m'as dit que c'est ta bestie. Genre, pas que c'est ma bestie, mais. Ça veut dire que les garçons, vous avez le droit de coucher avec vos besties. C'est pas ça, dis quoi, pas les garçons. Quand tu dis les garçons, tu es en gros. Dis-lui que peut-être lui a le droit de faire ça avec ses besties. Bon, ça dépend aussi. Il a dit, tu as dit que c'était ta meilleure amie depuis le lycée. Oui. Bon. Mais c'est plus que ça, bro. C'est plus que ça parce que les messages nous montrent que tu as passé et tu as carrément dormi avec elle. Et c'est toi, tu as dormi chez lui? Oui, pourquoi pas. Ok, c'est juste une parenthèse. Beau, entre Maëva et toi. Qu'est-ce qu'il y a entre Maëva et toi? Il veut savoir la vérité. Sois honnête avec ta gueule. Ça vient juste de démarrer deux mois. Et que tu sois passé. Entre Maëva et moi, il n'y a rien. Tu vois un peu. Ouais. On est juste proches, mais. Mais vous, ça se passe. Oui. Déjà, ça se passe entre vous. Bonjour, ça arrive souvent de flirter, tu vois. Est-ce que tu aimes Maëva? Est-ce que tu aimes Maëva? J'aime pas Maëva. Tu n'aimes pas Maëva? Pourquoi tu couches avec elle? C'est juste arrivé une fois, Une fois? Oui. À la base, tu as dit que tu étais fidèle, non? Oui, j'étais fidèle. Tu as dit, que tu es fidèle? Oui. Et tu peux voir qu'avec Maëva, c'est la seule, mais ça arrivait du coup comme ça, tu vois. De toute façon, on était aussi un peu sous. Vous étiez bourré. Et maintenant, tu as profité déjà, tu as couché avec elle. Tu as oublié peut-être que tu avais une petite amie, c'est ça? Non, c'est pas ça. Attends, Evelyne. Non, Maëva est plus que ta petite amie. Ou bien ta petite amie ne te satisfait pas assez au point où tu peux prendre Maëva. Voilà. Parce que le lendemain, tu as écrit et tu as demandé si ce qui s'est passé entre vous pouvez en parler. Tu as dit non, pourquoi tu veux en parler? Elle dit parce que pour moi, c'est trop bizarre ce qu'on a fait. Sachant que tu es en couple. Tu dis Il dit toi, ça te dérange pas. Tu dis que non, j'aime Margot. Mais c'est juste passé entre nous. Toi et moi, c'est depuis quand même. Elle dit que moi, il ressent beaucoup de choses pour toi. Moi, il ne veut pas être que ton chat. C'était juste une soirée de premier coup. Et tu dis que moi aussi. Mais je suis en couple et j'aime Margot. Il te dit que je suis donc quoi pour toi? Elle est quoi pour toi? Elle ne veut pas maintenant. Elle est quoi pour toi? Et moi, je suis quoi? Juste une amie. Juste une amie? Oui. Mais c'est pas ce que voilà, c'est pas ce que tu as répondu. C'est juste une amie. Parce que moi, je veux que ça sorte de ta bouche. Moi, je ne veux pas lire. C'est pas ce que tu as répondu, tu as pas traité juste un ami, c'est pas ce que tu as dit. Non, c'est juste une amie. Je lis, je vois. C'est juste une amie, mais tu m'as pas avec elle. Parce que là, ça veut dire que tu as l'habitude d'aller plus loin avec elle. Le dernier message où elle te demande, elle te dit, je suis quoi pour toi? Tu dis, je peux te poser une question. Elle te dit oui. Tu dis, est-ce que tu es vraiment sérieuse avec moi? Elle dit oui. Tu dis, ok, depuis que toi et moi on se connaît, depuis le lycée et tout, j'ai toujours ressenti les trucs pour toi. Et honnêtement, je suis amoureux de toi. Là, il te dit, et ta copine alors? Tu dis, moi je gère. Et ta copine, tu as dit? Il dit, moi je gère. Donc, moi, tu me gères.
Donc tu pouvais gérer deux femmes en même temps. Tu peux gérer deux. Tu peux gérer deux femmes en même temps. Tu peux gérer non, deux c'est pas le cas, c'est pas le cas. Toi, t'es un boy. Ah. Moi, j'ai envie de te prêter les mots, honnêtement. Je sais. Ok. C'est bon, il peut remettre son téléphone. Tu peux remettre son téléphone. Ok. À ton tour maintenant, tu l'as resté comment? Comment tu as resté ton gars au téléphone? Mon roi. Mon roi. Mm-hmm. Pourquoi tu hésites avant de dire ton roi? Parce que je peux enregistrer mon roi, mon père, comme je peux enregistrer mon roi, c'est aussi lui. Donc ça dépend. Okay. Mon roi. Qui l'a matché? Attends. C'est qui Brisco? Brisco c'est qui? C'est un ami. Un ami comment? C'est un ami genre on est tout le temps ensemble, son poteau, on marche ensemble constamment les sorties et tout et tout. Vous faites les sorties? Bien sûr. Est-ce qu'il le connaît? Est-ce que tu connais Brisco? Elle m'a quand même parlé de lui. Genre comment, quel est quoi pour lui? Genre juste des potes. Juste des potes? Oui. C'est juste des potes? C'est juste des potes. Il peut livrer combien ça sort? Bien sûr, il n'y a pas de problème, ça ne dérange pas. Là, tu dis coucou, ça va, tu dis ça va et toi? Tu dis samedi, tu fais quoi? Tu dis que pas grand chose, pourquoi? Tu dis que je voulais qu'on sorte. Tu dis non, c'est plus trop comme avant, actuellement, je suis en couple. Ok. Et c'est qui le Marocain? Bon, c'est un ami qui n'est pas ici. Un ami qui n'est pas ici? Mm-hmm. Et tu traites quoi avec lui? Bon, on peut dire que. On s'est rencontrés via une autre personne. Mm-hmm. Donc, on cause constamment ensemble. C'est vrai qu'il me grague, mais il sait que c'est en couple. Genre, malgré le fait qu'il sait que c'est en couple, il part plus loin, c'est tout. Mais il n'y a rien. Vous faites beaucoup d'appels vidéo? Oui, bien sûr. Et là, tu envoies les photos sexy. Pourquoi? Pour ne pas dire nu, pour ne pas sens. Pourquoi tu envoies les photos? Elle a envoyé quoi? Voilà. Non, pas c'est pas genre les photos sexy, c'est juste que il m'a demandé qu'il voulait voir. Il vient de voir. Pourquoi tu envoies cette chose? Il a juste demandé qu'il voulait voir. Et en plus, je n'ai pas vu ça comme mauvaise attention. J'ai juste pris ça comme si c'est un ami à qui j'envoie mes photos. Juste un grand gars, c'est tout. Un travail que tu l'envoies, tu l'envoies les photos. Oui, les photos sexy, mais ça ne veut pas dire nude. Tu vois, je peux être sexy, je peux m'habiller et ça. Oui, il a juste vu les photos, c'est pas là comme si c'était menu. Tant bien, moi, on voit les photos. Ça me fait rire parce que. Non, c'est ça qu'elle parle du genre que c'est normal pour elle. Ouais. Pas que c'est Yokubo, si Yokubo passe à normal, mais. C'est parce que lui, il est où? Il est au Maroc. Il est hors du pays. Déjà, avec lui, il te demande ici si tu es en couple, tu dis non. Bon, c'est vrai que. La question là, au fait, j'ai pas été sincère, je refuse pas, mais. Pourquoi tu dis que c'est célibataire, pourtant tu es en couple? C'est un peu très compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? J'ai pas voulu qu'il sache qu'il était en couple. Pourquoi tu as peur d'avouer? Non, pas que j'ai peur d'avouer. C'est juste que s'il fouille mon téléphone et qu'il tombe sur ça, il sait qu'il va se mettre en colère. Donc, c'est pourquoi je. Donc, lui, tu lui fais savoir que tu es célibataire pour être en relation avec lui. Pourtant, tu es en couple avec Scott. C'est un peu ça. Et pourquoi tu n'avoues pas que tu es en couple avec un gars? Non, pas que je n'avoue pas. Je ne peux pas appeler ça de ne pas avouer. C'est juste que afficher et tout là, c'est un peu très compliqué. Là, il te demande. L'autre jour, tu m'as dit que tu avais besoin de combien? Tu dis 70 000. Et tu dis que okay, là-bas chez vous, au Cameroun, comment est-ce que vous procédez pour retirer de l'argent? Tu as dit mobile money, MTN, RIA et tout. Après, tu as dit merci mon cœur, j'ai reçu. T'envoies de l'argent. Bon, il me dépanne souvent de temps en temps, il ne refuse pas, mais j'aimerais pas que Russell le sache parce que je sais qu'il va se fâcher. Donc, c'est le pourquoi je préfère garder ça secret en quelque sorte. Ça veut dire que si tu es en que tu le gardes, tu gardes ça secret, ça veut dire que c'est suspect entre vous deux. C'est pas que c'est suspect. Si c'était pas suspect, tu peux pas lui cacher les messages. Oui, je ne refuse pas, mais j'avais peur de sa réaction en fait. Très peu, ça Et si tu peux lui dire ce qui s'est passé entre vous, vu avec ce combien de coups, dis-lui ce qui s'est passé entre vous. Bon, bref, c'est, je peux dire ça pour moi, c'est un gragueur. C'est pas un simple gragueur. Oui, c'est pas un simple gragueur. Est-ce que tu envoies ton corps à tous les gragueurs? Non, pas forcément. C'est tous les gragueurs qui t'envoient de l'argent. Non. C'est plus que ça. Ce qui s'est passé entre eux, c'est un truc qui date. Donc ça se passe depuis. Non?
pas forcément, je suis pas sûre que ça date si de depuis que ça, mais je peux dire que c'était juste quelque chose de passager. Bon, j'ai juste envoyé les photos et il m'a envoyé l'argent juste une seule fois, c'est tout. Non, vous causez beaucoup. Bon, on cause beaucoup, je ne refuse pas, mais c'est juste quelqu'un qui tire profit, je vois. Je peux pas dire que... Tu tires profit? Oui, je tire profit, c'est tout, mais... C'est qui William? Il y a William, c'est qui William? C'est un ami de longue date. Donc tu es seulement les amis garçons? Tu as aussi les amis filles dans mon téléphone? Non, je depuis ne les vois pas. Ah bon? Oui. Tu as les amis filles dans mon téléphone. Mais c'est normal quand tu es plus coutoyé par les garçons. Et j'ai grandi uniquement avec les garçons. Donc c'est normal que je dois faire plus confiance aux garçons qu'aux femmes. C'est normal. Rien pour écrire, tu me manques, je veux voir. C'est le Marocain. Le Marocain. Tu l'as envoyé, c'était... Nous sommes quand même sur mardi, non? Oui, ils sont. C'était dimanche, à 23h. Bébé, tu me manques beaucoup. Ah bon? Tu me demandes, tu me poses encore bon. Il dit que tu es... C'est normal, il est hors du pays, il me manque, j'aimerais bien le revoir. Comment tu es en couple avec un gars? Ton gars, tu as écrit à une autre personne, tu me manques. Il peut me manquer, bon, on peut dire... Je peux appeler ça comment? Peut-être la personnalité, mais pas le fond, que... être réciproque, c'est tout. Apparemment, toi, ça t'a arrangé. Non, moi, ça m'arrête parce que si je veux réagir, genre, c'est, je sais pas. Ça va se gâter, tu vois. C'est pour ça que je suis en train de garder mon calme. Et il est inadmissible que. Il me dit que tu envoies là-bas tes photos à un dragueur, il t'envoie de l'argent. Et après, dimanche, tu lui écris que non, genre, tu me manques, bébé, tout ça. Attends, pourquoi tu dis que papa veut te voir? Hein? Non, le prince, c'est qu'il a dit qu'il voulait voir mes parents. Et du coup. Non, c'est toi qui dis papa veut te voir. Là, il te demande, tu penses que c'est le moment pour ça? Tu dis oui, il faut que je raconte mes parents. Bon, la petite là, c'est un peu compliqué. Très compliqué. Mais ça veut dire que c'est plus que ce rang que vous deux alors. Bon, il fait comment? Il dit la vérité. Mais dis la vérité, non? Bon, bref, avant de rencontrer Roussel, lui et moi, on sortait ensemble depuis. Mais c'est juste que je n'ai pas coupé les ponts avec lui. Parce que c'est quelqu'un qui m'aime beaucoup et on avait envisagé autre chose. Et il doit rencontrer. Tu demandes à ce qu'il puisse rencontrer tes parents. Ça veut dire que c'est plus que ce. Pourtant, tu es en couple avec moi. Bon, et tu qu'il est en couple. Donc lui, il est là juste. Non. Ça ne veut pas dire que je ne le considère pas. C'est juste que lui. Tu es en couple avec celui-ci. Et tu demandes à ce qu'il rencontre tes parents. Et en même temps, tu es en couple avec. Donc lui, il est là juste pour remplir les formalités. C'est ça, donc. Non, pas remplir les formalités. C'est quelqu'un que j'aime et j'apprécie beaucoup. Mais lui, je peux dire ça comme il était déjà là avant lui. Tu l'aimes? Est-ce que tu es amoureuse de lui? De qui? Du Marocain. C'est un peu compliqué à répondre. Est-ce que tu es amoureuse de lui? On peut dire que je me suis habituée à lui, mais pas que. Est-ce que tu es amoureuse de lui? C'est lui ou pas? Non. Mais non. Tu ne l'es pas? Oui. Et pourquoi tu demandes à ce qu'il rencontre tes parents? Bon, c'est lui qui a insisté à rencontrer mes parents. Et... Quand tu connais dans sa famille? Non, pas encore. Même ses soeurs. Même ses soeurs, rien. Pourquoi tu t'inspires? C'est compliqué. En même temps, toi, si tu n'es pas fidèle, bro. Ouais. C'est pas comme si je suis pas fidèle, mais c'était juste un coup d'un soir, donc c'est pas comme si. Ouais. Toi-même, tu regardais les messages et tout, oui. C'est un truc qui est arrivé comme ça. Et. Bref, en tout cas, moi, je suis dépassé parce que ça me dépasse. Elle m'a dit qu'elle voulait une relation sérieuse, tout ça, oui. Et du coup, quand il voit encore les messages que vous avez oublié, c'est un certain Marocain. Ouais, et qui, en plus, est venu voir ses parents. Bon, ça veut dire qu'ils ont déjà programmé pour faire quoi, pour venir l'épouser, tout ça. Mais. T'as changé quoi? Ah, ainsi va la vie, parce que vraiment, si je veux me fâcher après ça, ça serait mauvais. C'est un truc à lui dire. En tout cas. Tu peux retourner son téléphone quand même. Non, tu peux donner son téléphone. On a déjà vu ce qu'on avait en vidéo. Mais c'est que tu as quelque chose à lui dire. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que. Ah. En tout cas, j'ai pas de mots parce que ça m'a dégoûté, mais c'est bizarre. Tu as quelque chose à dire à ton gars? Oui. Il sait pas comment expliquer ça. C'est un peu très compliqué au fait.
Mais je sais que ce qui est sûr, c'est que si on s'assoit et qu'on trouve une solution d'entente. Mm. Parce qu'il aime et je le considère beaucoup. Tu le considères beaucoup? Mm. Tu penses qu'après la caméra, vous allez vous arranger? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Je ne connais pas sa réaction et comment il va prendre ça. Tu es d'accord peut-être de parler, d'en parler après ou bien? Si j'ai l'envie. Si tu as envie. Mais actuellement, je n'ai pas envie. Tu n'as pas envie? Oui, actuellement, je n'ai pas envie. Okay. Merci Camille d'avoir accepté de participer à l'émission. Ok, merci à toi.